Un nouveau voyage débute ici en compagnie de François-Xavier. Comment vas-tu ? Je vais bien. Alors, nous sommes à Lille. On va passer 4 jours dans le département du Nord, un département que tu connais un petit peu ? Je connais un petit peu. Ouais. Et c'est un département où on mange bien, où l'architecture est sympa et surtout où les gens sont très conviviaux. Ouais, bon bah très bien. Allons découvrir ça. Je te propose de commencer notre séjour par une petite balade à Lille, mais une balade insolite et décalée dans un moyen de transport très original. Vroom ! On est parti. Lille, pourquoi est-ce que la ville de Lille s'appelle Lille ? Alors, ça vient tout simplement du mot île, parce que c'était un terrain très marécageux ici. Il y avait plein de petits îlots. Et d'ailleurs, un peu comme à Bruges ou à Gland, il y avait une vingtaine de kilomètres de canaux à l'intérieur de Lille. Donc pas mal de rues du Vieux-Lille sont exactement au même endroit où était un canal. Ouais, voilà. Donc ça reprend aussi le tracé d'un cours d'eau. François-Xavier, on a quitté Lille pour sa voisine Roubaix. J'espère que tu as pris ton slip de bain parce que je t'emmène à la piscine. Ici le bain. Ici le maillot de bain. Hop, on de slip. Ici, on enlève ses affaires. On enlève ses affaires. Et ici, on est sous la douche. On se dessape. Et on rentre dans la piscine. Le souci, c'est plus une piscine, c'est un musée. Elle est pleine de statues. Elle est pleine de statues, il y a des naïades là-bas. Ah. Et les naïades, elles sont en marbre. C'est moins rigolo. On a 3 niveaux à Cassel. Ici, on est au niveau le plus bas du mont. Et pourtant, on a déjà un panorama qui s'étend vraiment loin. Et quand on va monter sur les différents niveaux, là tout en haut, eh bien, on peut voir 5 royaumes. Il y a le royaume de Belgique, le royaume d'Angleterre, le royaume de Hollande, anciennement le royaume de France, et le royaume des cieux, qui aujourd'hui ne sont pas trop cléments, mais ça fait partie du jeu. D'accord. Et à quelle hauteur nous sommes actuellement ? Alors, 1760 décimètres de hauteur. Un estaminet, ce n'est pas un restaurant, et pourtant on y mange. Ce n'est pas un café, et pourtant on y boit. C'est tout simple, comme à la maison. C'est écrit dessus, c'est comme ici, c'est comme partout. Voilà, la France est péritive. Oh non, qui va. Ce qui veut dire qu'après on mange encore. Voilà. Antoine, où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on se trouve ? Nous sommes à Douai ce matin pour les fêtes de Gaillan avec les Reuses. Les Reuses, c'est comme ça qu'on appelle les géants ici. Donc voilà, ils sont réveillés ce matin, ils vont partir dans toute la ville. On va essayer de les suivre. Il va y avoir de la musique, de la fête, des gens vont jeter des bonbons. On
Donc c'est l'endroit, the place to be ce matin. Ils m'ont l'air un peu plus grands que toi, non? Légèrement, j'ai un petit peu du mal à engager la conversation pour l'instant avec eux. Alors que le monsieur, il fait quand même à peu près 8 m40, donc il y a presque pas tout à fait 7 mètres entre sa tête et la mienne, mais on n'en est pas si loin. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Dunkerque, sur la commune de Bredune, et sur les dunes de Bredune. Ouais. Ouais, là où, en fait, où il y a des sentiers de randonnée. Ouais, et pas n'importe quel sentier de randonnée, parce que ici c'est unique en France à ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire que c'est un peu de la rando à la carte. Hein. Tout à fait. Il y a un système de balisage qui permet de marcher en fonction de vos envies, de partir à droite, à gauche, 5 km, 2 km. Donc ça c'est vraiment super à faire. Et nous on a décidé ce matin de pousser jusqu'à la frontière belge. La borne fut érigée pour marquer la frontière entre la France et la Belgique. On est arrivé. Nickel. Ouais, un nœud 12. C'est comme un nœud 8 mais avec 4 de plus. Donc tu vois là, un de plus, ouais, là, c'est bien. 2 de plus, 3 de plus et 4 de plus, le nœud 12.